Cépage et complantation, la fin du dogme alsacien. Riesling, Gewürztraminer, Sylvaner, Pinot Gris, Pinot Blanc, Auxerrois, Muscat, Pinot Noir. Plus que toute autre région, l'Alsace s'égrène, se scande même au fil de ses cépages, des cépages qui agissent en marqueurs identitaires, qui rythment les rayonnages, autant qu'ils laissent présager du goût du vin par leur seul nom posé sur l'étiquette. Ainsi va l'Alsace, avec ses cépages en porte-drapeau. Seulement voilà, depuis quelques années, certains vignerons s'emploient à dévisser ce dogme des vins monocépages, en procédant par exemple à des assemblages de cépages en cuve, ou mieux, en les mélangeant dès leur plantation à la vigne. Pour interroger cette recomposition du paysage viticole alsacien, deux vignerons, alsaciens, ça tombe bien justement, Yann Bury, qui est à la tête d'une nouvelle entreprise, une création depuis 2014, si je ne dis pas de bêtises, voilà, La Grange de l'Oncle Charles, avec votre collègue Jérôme François. Vous êtes un peu les chantres de la complantation des cépages. Et puis, à vos côtés, Christian Bunner, là, il est déjà installé dans le paysage depuis quelques temps. Et il est surtout à la tête d'une carte des vins longue comme le bras. Christian, combien de références à peu près dans la production des vins Bunner? Bon, une trentaine de cuvées, on a au fur et à mesure de la vente, ouais. Donc, une grande diversité. Mais justement, tiens. Christian, vous qui avez de l'antériorité, on sait que le cépage, c'est quand même une clé d'entrée dans l'univers compliqué, l'univers du vin, c'est une clé d'entrée, une clé facilitante pour quelqu'un qui est en train de construire sa culture du vin. Ça, c'est quelque chose qui reste vrai? Oui, c'est vrai. Pour une première entrée dans le monde du vin, le marqueur du cépage, lorsqu'il est très présent, peut être un moyen de commencer à se discerner dans ce grand monde complexe qu'est celui du vin. Dans le cadre d'un vin où il y a très peu de présence terroir, dans un endroit simple, ça peut être intéressant d'exprimer et de magnifier le fait du cépage. Mais pour moi, on n'est pas abouti, quoi. Il manque le graal du bout, et ce graal, on l'obtient lorsqu'on a un lieu magique, un terroir magique, un climat magique. Et là, par contre, le cépage a tout intérêt, quand on travaille bien, de s'effacer derrière le terroir. Et donc, du coup, la complantation, les assemblages, ou le monovarietal, si c'est son identité, a tout son intérêt. Donc, comme deux strates, au final, la simplicité de la lecture du terroir sur des vins qui sont aimables, qui sont faciles à comprendre, et puis, à l'expression sol du cépage, on préférera celle du nom du lieu-dit ou du grand cru, accessoirement, pour exprimer des vins avec des ambitions plus marquées. Oui, tout à fait, c'est ça. Et alors, vous, Yann, qui êtes un peu en gestation, vous êtes vous-même en train un peu de vous inventer en tout à fait, tant ouais. que vigneron. Vous avez une approche radicalement différente, puisque vous avez fait le choix de l'assemblage, de la complantation. Est-ce que cette démarche-là, d'abord, trouve son public? Est-ce que vous arrivez facilement à expliquer à une clientèle qui est peut-être habituée en Alsace à trouver ces signaux faciles à appréhender que sont et le Riesling, et le Sylvaner, et le Gewürztraminer? Ben, c'est pas forcément facile avec une génération qui a goûté des vins de monocépage, oui, forcément. Mais bon, nous, vu que de toute façon, on n'était pas connus du paysage, justement, c'est vraiment une création, donc on avait vraiment feuille blanche. Donc on avait plutôt envie de suivre des vins qui nous plaisent et qu'on a déjà goûté, qu'on a déjà vu que c'était meilleur pour nous, à nos yeux. Et du coup, on est parti dans ce sens-là de la complantation, de l'assemblage, pour avoir plus de complexité dans les vins. Et parce que ben, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, et on trouve largement des amateurs et des marchés pour ces vins-là. Ouais. Donc ça veut dire aussi, si on prend ce qu'a dit Christian tout à l'heure, ou peut-être pour certains vins, on pouvait se contenter de l'expression variétale du cépage, ça veut dire aussi que d'emblée, vous avez une ambition supplémentaire, une ambition plus marquée. Oui, une ambition de vigneron qui passe beaucoup de temps à la vigne et qui passe beaucoup de temps dans ces lieux magiques que nous-mêmes, en tant que vignerons, on ressent comme des lieux magiques et intéressants. Donc, c'est à la vigne que le travail se fait. C'est bien sûr à la vigne, du coup, qu'on a envie de planter des cépages différents, de tester de nouvelles choses et de voir la vigne s'épanouir et plusieurs cépages s'épanouir. Ouais. Il y a quelque chose de réjouissant d'avoir des jeunes qui nourrissent des ambitions assez fortes. Ça va dans vous, les deux sens. Christian, qui avait une carte large, avec des vins de grande profondeur, qui avait déjà une longue expérience des millésimes, est-ce que cette approche-là pourrait ne pas être gênante
pourrait ne pas désorienter une forme de clientèle? Est-ce que ça oblige à une forme de pédagogie particulière que d'expliquer ce type de démarche? C'est sûr, c'est un bouleversement et donc du coup ça demande beaucoup de pédagogie. Mais notre démarche en général est novatrice et bousculante. Et en même temps, ce qui est bien, c'est qu'elle a surtout beaucoup de sens parce qu'elle reprend les origines. Elle reprend les origines du terroir, du bon sens paysan, des principes de la culture biologique et biodynamique. Donc on n'invente pas quelque chose qui est un produit marketing pour faire mousser et changer les choses. Il y a une vraie profondeur dans ce que la terre nous donne, quoi. Donc du coup, ça demande du temps et de l'énergie, c'est sûr. Mais en même temps, on voit très bien que faire un vin de cépage, ça a ses limites. Un Riesling planté en Alsace, bien fait, il n'a pas de raison d'être meilleur qu'un Riesling planté je ne sais où, à la limite sur le toit de Paris, ce sera toujours du Riesling, quoi. Donc, au bout d'un moment, expliquer le lieu, ça a beaucoup plus d'intérêt, parce que du coup, on est sur quelque chose d'unique, puisque chaque terroir va être différent de l'autre, ne serait-ce que par son climat et son sous-sol. Évidemment, avec nos noms, avec tout ça, c'est compliqué. Mais je pense qu'on a l'avantage d'avoir des gens qui sont intéressés et des gens qui nous font confiance. Et puis en plus, quand on bouge, ça vibre et ça dit « waouh ». Par rapport à un vin monocépage qui est peut-être aussi plus simple et plus monolithique et un peu plus ennuyeux, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans la papille des gens. Alors, puisqu'on est sur le Salon Brut à Mulhouse, j'ai vu que les vins trouvaient leur public, apparemment. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que c'est une tendance qui peut s'installer durablement dans le paysage, sans forcément abandonner cette Alsace monocépage, qui est son ADN, sa colonne vertébrale? Est-ce que vous voyez un avenir prometteur, quelque chose de durable s'installer pour les vins d'assemblage en Alsace? Oui, ouais. Les vins d'assemblage et les vins de qualité aussi avant tout, parce que c'est un peu ce qu'on fait, on est passionné par notre produit, donc on essaie d'arriver à une qualité optimum. Et donc dans ce Salon Brut aussi, en vinification nature, je pense qu'on a un vrai public, et c'est un public qui est conquéri pas par nous, mais par le produit en lui-même. Et c'est après avoir bu beaucoup de vins nature, on a des fois un peu du mal à revenir sur des vins peut-être plus simples, ou justement de monocépage, ou on demande peut-être d'assemblage et du vin nature. Ouais, donc, Mais justement, on ne fait pas vous faire l'affront de vous raconter que l'Alsace connaît, comme d'autres régions, une viticulture à deux vitesses. Est-ce que ce type de démarche-là est réservé à des vignerons, j'ose pas dire artistes, on va dire artisans? Est-ce que, voilà, c'est un clos un petit peu fermé, ou est-ce que vous voyez un phénomène qui pourrait s'étendre à des gens qui ont des ambitions un peu plus mesurées que les vôtres? Pour moi, vous pourriez être parmi le début. Je pense que c'est réservé à une viticulture artisanale, parce que ce ressenti, ce travail du vigneron, je le vois moi-même, au bout d'un moment, quand on est trop pris par la taille, eh ben on en perd presque les bases. Donc ça, c'est pas bon. Donc oui, par contre, c'est un mouvement qui est ouvert, clairement. Je veux dire, plus on va être de fous, plus on rit. Et plus on va être de petits vignerons à travers le vignoble à faire cette démarche-là. Surtout que chacune est unique, parce que chacun pense autrement. Donc il y a mille et une facettes du vin nature qui peut s'exprimer, mieux ce sera. C'est vrai qu'après, dans le cadre d'une démarche plus de masse, on va pouvoir faire demain du vin bio sans soufre, ça c'est pas de problème. Techniquement, on peut trouver le truc, mais je pense qu'il manquera quelque chose dans la vibration du vin, et heureusement. Mais ça ne veut pas dire que l'autre produit est mauvais, il est juste différent, c'est une autre... Donc c'est un oui mais, vous ne pouvez pas remplacer un dogme par un autre dogme au final. Non, oui. Voilà, d'accord. Justement, Yann, vous qui avez ce marqueur identitaire très fort avec des vins d'assemblage, je crois que vous avez des vins en propriété propre, en tout cas sur vos vignes, leur statut. Vous avez des vignes en négoce, et vraiment vous mettez un point d'honneur à cultiver ou à produire tout en assemblage, ou est-ce que quand même vous cédez un petit peu à ce qu'est l'histoire de l'Alsace, le vin monocépage? Vous avez quand même des cuvées de cet ordre-là? Oui, je pense, comme l'a dit Christian, certainement que si sur un terroir, on se rend compte qu'un cépage marque mieux le terroir et produit un vin meilleur qu'un autre, on peut le faire. Nous, ça peut nous arriver si on a une petite parcelle où justement on veut exprimer le lieu et le terroir, mais qu'on n'a qu'un seul cépage planté sur cette petite parcelle. Eh ben, on gardera ce cépage-là, mais
Dès qu'on pourra replanter, on s'amusera certainement à planter d'autres cépages, mais on peut aussi travailler en monocépage. Bon, eh ben écoutez, longue vie à la grange de l'oncle Charles et au vin binaire. Vous l'avez compris, c'est une Alsace qui commence à se raconter autrement, puis c'est une Alsace nouvelle qui se dessine sous nos yeux et dans nos verres.